Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, à la demande de Anna, le morceau de Towns and High, Dance Monkey, le morceau à la mode. Du coup, je vais vous jouer le morceau, je vous fais pas le cover, c'est-à-dire la mélodie du chanteur dans la main droite. Je vous fais la partie de piano, c'est-à-dire ce que fait le pianiste. Je vais laisser un tour par, je vais laisser un premier tour et moi j'attaque sur le deuxième. C'est parti. Bien placer sa main sur le fa dièse numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est la main droite. La main gauche, elle va jouer ici. Hein? Donc j'y vais, c'est parti, je lance la séquence, je laisse un tour avant de partir. Excusez-moi, petit problème. Alors je la remets. J'y vais. Alors là, il y a un arrêt et ça reprend. Donc le morceau est basé sur quatre accords. Le premier accord, c'est un fa dièse. Hein. Je vais le jouer un peu plus bas. Alors, fa dièse. Oh, non, je vais le jouer sur le. Je vais le jouer plus bas. Donc fa dièse mineur. Fa dièse, la, do dièse. Deuxième accord, l'accord de D. Alors d'habitude, vous le jouez la, ré, fa dièse. Pour le coup, vous allez me le jouer ré, fa dièse, la. L'accord d'après, E, Mi, Sol dièse, Si, et le dernier, Do dièse, Mi, Sol dièse. Alors on constate une chose, c'est que les accords sont joués en position fondamentale. Donc, première partie, alors ce qui est difficile, c'est de faire le contretemps, c'est-à-dire 1. Donc ça fait 2, droite, droite, 2. 2, droite, droite, 2, droite, droite, droite. 2, droite, droite, 2, droite, droite, droite. Je le fais. Tu vois? Alors il y a un léger contretemps en plus. T'as 3 fois, hein? 1, 2. 3, hein, sur la main gauche, quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon. Il y a une deuxième partie hein, où là je suis descendu d'une octave et je fais ceci, je trouve c'est pas mal.
Je joue en les basses cette fois-ci. Mais en octave. Alors je vais le refaire une dernière fois pour le fun. Je laisse un tour. Oh, j'y vais, attention. Alors là, ça bloque. Et ça prend un... Je vais pas aller plus loin. Voilà, enfin je vous fais quand même la partie que j'ai. La fameuse partie avec les basses qui jouent en octave et je plaque l'accord sur la main gauche. Et là ça revient. Etc. Je coupe. Bon, voilà, donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, bonne semaine. Salut.